Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Nous sommes au jour 7 du déconfinement progressif et néanmoins prudent. Une nouvelle manière de vivre a vu le jour au début de cette semaine. Peut-être avons-nous la sensation de respirer un peu mieux, de retrouver un peu de liberté en marchant dans la rue ou en enfourchant son vélo sans autorisation de sortie. Des enfants ont repris le chemin de l'école, des personnes celui du travail, d'autres se sont risqués à quelques visites familiales ou amicales. Bien sûr, les masques et la distanciation sont de mise. Nous apprenons à nous saluer autrement, le sourire dans les yeux, puisque nos bouches sont cachées. Cela nous rappelle que le virus est toujours là et qu'il faut petit à petit vivre avec, tout en restant attentif aux autres et à soi. Mais nous pensons à ceux qui sont dans le deuil d'un être cher, disparu pendant le temps du confinement, ou dans l'inquiétude d'un proche encore hospitalisé. Ce temps de culte offre un moment de pause dans notre nouveau quotidien, nous reliant les uns aux autres en présence de Dieu. Louons le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te louons parce que tu nous appelles amis et tu nous fais connaître le Dieu que tu connais. Tu nous invites devant lui à entrer dans la danse de toute l'humanité. Tu nous guettes comme celui dont on attend beaucoup, car on l'a tant aimé. Loué sois-tu, Seigneur. Tu nous appelles amis et nous voudrions nous enfuir, car il est plus exigeant d'aimer que d'obéir. Tu jettes la lumière sur les ombres de nous-mêmes. C'est ainsi quand on aime. Loué sois-tu, Seigneur. Tu n'as de plaisir ni dans l'hypocrisie ni dans la servitude. Tu cherches notre parole en réponse à la tienne, et cette égalité où tu viens vers nous en frère se porte garante enfin d'une liberté vraie. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous poursuivons notre louange en nous unissant maintenant par le chant du psaume 67b, que vous pouvez trouver dans le psautier français, et nous chanterons les strophes 1 et 2. Devant le Seigneur avec cette prière de Léon Tolstoï.
Je crois que toi seul existes et que tu es en moi et dans tout ce qui vit. Je me sens séparée de toi, mais ma vie est en toi. Et c'est pourquoi j'aspire par l'amour à m'unir à toi et avec tout ce qui vit, puisque cela vient de toi. Je veux cette union et c'est pourquoi je lutte contre ce qui me sépare de toi. Contre les désirs du corps, contre la paresse, la volupté et surtout contre le manque de bonté. Je lutte contre les tentations de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité, des représailles. Je lutte contre les superstitions du goût, du pouvoir, de l'État, de la théologie, de la science. Je lutte par un effort de l'action et de la pensée, par le renoncement, l'humilité, la véracité et la continence en actes et en paroles. Je sais que la vie est seulement dans l'amour, dans le présent, et que pour la vie spirituelle, il n'y a pas de souffrance, pas de mort, il y a seulement ce que souhaite l'âme, seulement la félicité. Je te remercie. Et le Seigneur nous redonne son pardon sans cesse. Il renouvelle sa grâce à quiconque se tourne vers lui. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vous invite à confesser notre foi. Je crois en un Dieu unique, un Dieu d'amour, libre et tout-puissant, créateur des choses visibles et invisibles. Il parle à tous les cœurs et nous aime sans condition. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et homme, venu pour annoncer la grâce que Dieu donne gratuitement à tous. Toujours vivant, il nous appelle à construire aux côtés de Dieu un monde de justice, d'amour et de paix. Je crois au Saint-Esprit, puissance créatrice, présence et sagesse de Dieu, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que la véritable nature de l'homme, image de Dieu, est de faire le bien. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la dignité et la liberté. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens, notre marche s'orientera et notre chemin se précisera. Alors nous t'en prions, par ton esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à l'intelligence de ta parole. Permets que cette parole naisse en nous et qu'elle soit le fondement de notre vie, le moteur de nos engagements et la source de nos inspirations. Amen. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, nous lisons les versets 15 à 19. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paix mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
Jésus dit, sois le berger de mes brebis. Une troisième fois, il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, m'aimes-tu? Et il reprit, Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et sur cette parole, il ajouta, « Suis-moi. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen.
Amis, frères et sœurs, nous avions laissé il y a quelque temps Jésus et ses disciples au bord du lac de Tibériade, en train de partager le petit déjeuner de la réconciliation. Je vous propose de les retrouver ensemble sur la plage, toujours dans cet entre-deux. On peut imaginer les questions qui traversent l'esprit des disciples. Ils sont là en présence de Jésus, en présence de l'impensable et de l'impossible, leur maître est avec eux, revenu du séjour des morts, mais aucun d'eux n'ose poser de questions. Tout ce qu'ils vivent depuis quelque temps est d'une densité absolue. Que dire ? Par quoi commencer ? Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu tout de suite ? Et quelle est cette peur qui ne les quitte pas vraiment malgré sa présence ? Jésus est là, au milieu d'eux, qui refait avec eux les gestes simples du partage du pain et du poisson, mémoire du dernier repas dans la chambre haute la nuit de son arrestation. Cela devrait être suffisant pour être rassuré et continuer. Il semble que non. À la fin du repas, un dialogue inattendu s'engage entre Pierre et Jésus. Jésus interpelle Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Jésus posera cette question trois fois. La triple question de Jésus sera nuancée et graduelle, tout comme la réponse de Pierre. La première, c'est « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Que faut-il comprendre par ceci ? Les poissons ? Les disciples ? Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus que ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu m'aimes plus que ton bateau et tes filets de pêche? M'aimes-tu plus que ta propre vie quotidienne? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ne m'aime? Alors on ne sait pas si Jésus a fait en araméen un jeu de mots avec le verbe aimer. Toujours est-il que dans le texte grec de l'évangile de Jean, l'auteur marque la nuance du verbe « aimer » par l'emploi de deux verbes distincts, « agapao » et « phileo ». Pourquoi cette distinction ? Le verbe « agapao » donnera le nom « agapé » pour désigner cet amour humain d'origine divine, désignant un amour inconditionnel. Cet amour implique la confiance et la fidélité dans l'engagement par la suite. Le verbe « phileo », lui, désigne un amour qui reconnaît ses limites, mais aussi désigne une relation humaine marquée par la tendresse. Les nuances sont subtiles et ne s'opposent pas forcément. À la question de Jésus « As-tu de l'amour pour moi ?» Pierre répond « Oui ». J'ai de l'affection pour toi, je t'aime comme un frère, un ami. » Alors Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Voici ce qu'écrit saint Augustin ou Augustin d'Hippone dans sa méditation sur ce chapitre de l'Évangile. Le Christ ressuscite dans la chair et Pierre dans l'esprit. Car le premier avait perdu la vie dans sa passion et le second dans son reniement. Ressuscité des morts, le Christ ressuscite Pierre par son amour. Il l'interroge, lui fait affirmer son amour et lui confie ses brebis. Paix, mes brebis, sois le berger de mes brebis. Autrement dit, Jésus confie à Pierre le soin des croyants, mission pour laquelle il l'avait appelé la toute première fois dans une autre crique au bord du lac. Jésus pose à nouveau cette question pour la deuxième fois. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Ce que l'on pourrait traduire aussi par « M'aimes-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée ?» Jésus veut confier à Pierre ce qu'il a de plus important pour lui, le soin des hommes et des femmes qui ont placé leur foi en lui, non seulement les compagnons d'aujourd'hui, mais ceux qui arriveront par la suite.
Il veut donc s'assurer de l'amour sans réserve de Pierre. La réponse de Pierre est honnête. Il aime vraiment Jésus, mais il vient d'expérimenter les limites de son amour au moment de l'arrestation de son maître. Il sait maintenant qu'il l'aime avec les limites de sa condition humaine. Jésus, lui, aime Pierre sans condition. Et il le lui montre encore plus à la troisième question, quand il se met au diapason de Pierre. Il le rejoint dans sa fragilité en employant le même verbe que lui. « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Autrement dit, « M'aimes-tu malgré ce que tu es ?» De quoi Jésus a-t-il besoin de la part de Pierre ? Pierre n'a-t-il pas sauté hors du bateau avec son vêtement ceint autour de sa taille, manifestant encore sa fougue et son enthousiasme pour le servir ? N'était-ce pas suffisant pour partir en mission ? Mais pour mandater Pierre vers un avenir totalement neuf, il lui faut encore répondre à cette question : M'aimes-tu ? Jésus a besoin de sa réponse existentielle. Parce que c'est de cette réponse que tout son témoignage futur va dépendre. Pierre est attristé par cette insistance, qui lui rappelle ses heures sombres. Mais il lui faut passer par cette porte étroite pour ressusciter ici et maintenant de son vivant et retrouver la lumière. Il doit aller au bout de la vérité qui est la sienne. Et sortir de cet isolement intérieur qui est le sien. Pierre le reconnaît pleinement quand il répond « Seigneur, mais toi tu sais tout, tu sais que je t'aime, que je suis ton ami. » Sous-entendu, malgré mes faiblesses, malgré mes illusions sur moi-même, malgré mon abandon, toi, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Et on peut entendre dans cette réponse de Pierre comme un écho du psaume 139 « Seigneur, tu sais tout de moi. » Pierre se laisse façonner par l'amour du Christ, celui-là même qui lui avait lavé les pieds et à qui il avait répondu dans un sursaut d'orgueil « Toi, me laver les pieds ? Jamais !» Peut-être Pierre se souvient-il de cette parole « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Ou encore « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » C'est maintenant que ce qui a été dit et vécu avant prend ici tout son sens. Jésus pose une question fondamentale. M'aimes-tu ? La seule parole de Pierre, c'est de protester son amitié tendre et lucide. La parole du Christ, c'est de s'assurer de cet amour et sa seule réponse sera de lui confier ses brebis. Parce que l'amour pour lui se traduit par un service auprès des autres. Et ce service s'enracine dans cet amour premier, inépuisable et sans cesse renouvelé. Jésus va chercher Pierre dans le confinement de son être. Confinement est un mot qui nous est devenu familier ces deux derniers mois. Même si, avec précaution, nous commençons à en sortir, nous savons maintenant ce qu'être confiné veut dire. Confiné, c'est être aux confins, aux limites d'un pays ou d'un territoire fermé par une frontière. C'est vivre dans un espace restreint avec des gestes limités et répétitifs qui mettent à l'épreuve notre patience et nos résistances. C'est aussi la révélation de nous-mêmes, le dévoilement souvent peu glorieux de nos vulnérabilités et de nos propres arrangements avec nous-mêmes. Jésus vient chercher Pierre pour le sortir de cette pensée confinée, selon laquelle, peut-être, il ne se sent plus digne de sa mission après son reniement. Mais Pierre, pas plus que les autres, n'est réduit aux actes négatifs de son existence. Et en ce sens-là, le passage de cet évangile est important, car Jean nous montre ici ce qui constitue la relation au Dieu de Jésus-Christ.
une amitié ouverte ou un amour confiant, délivré de toute angoisse et de toute culpabilité. Jésus aide Pierre à se pardonner à lui-même. Il ramène son disciple des confins de lui-même pour le replacer au centre de sa mission. Être pêcheur d'hommes, comme cela lui avait été demandé la première fois, bâtir son église, mais aussi de prendre soin de ceux qui, à la suite des disciples, vont croire et se mettre en route pour un avenir nouveau, qui passera par la proclamation de l'Évangile jusqu'au don de leur vie. Car, aux trois questions posées, Jésus ajoute quelque chose de grave. Devenu vieux, Pierre sera conduit non seulement au martyre, mais aussi au témoignage, transformé d'année en année par cet amour réciproque qui aura changé sa vie en profondeur, dans ce qu'il est convenu d'appeler une conversion, qui aura vaincu ses peurs et ses présomptions. Ce texte nous rejoint aujourd'hui là où nous en sommes, en cette sortie de confinement. Cette pandémie, période inédite de nos vies personnelles comme de nos vies en société, a confirmé mondialement de nombreux dysfonctionnements dont les prophètes modernes nous alertaient régulièrement. Elle remet en cause des certitudes et des habitudes bien ancrées. Cela vaut aussi pour la vie et le témoignage souvent infructueux d'une Église, au sens universel du terme, réduite souvent à une bonne gestionnaire du religieux. Tout cela conduit à repenser l'avenir. Cette pandémie a créé d'immenses interrogations, de très fortes attentes, de grandes promesses. Accouchera-t-elle d'une souris ? Écrit Nathalie Lénart dans l'éditorial de l'hebdomadaire Réforme. Mais un avenir ne change pas sans changer les habitudes, ni les modes de pensée qui les ont engendrés. C'est une période déstabilisante et peu rassurante qui s'annonce, parce qu'elle oblige à une transition incertaine et néanmoins confiante. Les premiers disciples, envoyés, mandatés par le ressuscité pour ouvrir un avenir, ont exprimé, avec ce qu'ils avaient compris de lui, une fidélité vivante à Jésus de Nazareth, jusqu'au don de leur vie. Petit à petit, ils ont imaginé le monde d'après la mort et la résurrection du Christ, donnant naissance à une nouvelle forme de vie communautaire. Leur témoignage a patiemment changé les habitudes religieuses de leur époque, mais aussi la foi de leur époque, la relation entre l'homme et Dieu, et modifié les relations interpersonnelles. Puis l'Église primitive est devenue un christianisme de plus en plus installé. Chaque fois que l'Église a oublié les plus petits, chaque fois qu'elle est allée trop loin dans sa suprématie, elle a été périodiquement remise en question. Ce qui l'a conduite à traverser des périodes de crise, parfois meurtrières, mais débouchant sinon sur des ruptures, en tout cas sur la constante nécessité d'une critique réformatrice pour reprendre une des orientations du mouvement Évangile et Liberté. À notre tour, dans la foi qui est la nôtre, nous sommes mandatés également par le ressuscité pour un nouvel avenir. Des chrétiens, toutes dénominations confondues, s'éloignent actuellement de la foi traditionnelle pour des raisons de doctrine, de langage ou de rites vécus comme dépassés. Mais ils se rencontrent pour réfléchir, travailler ensemble afin d'ouvrir un christianisme d'avenir, basé sur la réconciliation entre intelligence et foi. Aujourd'hui, cette réflexion est entre nos mains. Elle est confiée à notre intelligence, celle de notre savoir, comme celle de notre cœur, pour exprimer notre fidélité à Jésus de Nazareth, 20 siècles après sa venue, avec des mots et des symboles qui rendent audible notre foi à nos contemporains. Mais cela ne se fera pas sans donner notre amour, si imparfait soit-il. Que ce soit en Église ou individuellement, nous sommes perpétuellement des chercheurs de Dieu,
appelés non pour nos performances, mais plutôt à cause de nos défaillances. Notre marche est chaotique, faite d'avancées et de reculs, de méfiance et de confiance, de concorde et de discorde, d'abandon et de reniement, mais aussi de retour et de nouvelles conversions. À chaque recommencement que le Dieu de Jésus-Christ nous offre de vivre, une seule question fondamentale subsiste : m'aimes-tu ? Cette question renvoie à la volonté de Dieu initiée dans les 10 paroles transmises par Moïse, puis synthétisée par Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Finalement, il n'y a aucun autre commandement plus grand que ces deux-là. De notre réponse jaillira un avenir tout neuf, né d'une rencontre en vérité. Amen. Je vous invite maintenant à vous unir par le chant du cantique 338 dans le recueil Louanges et prières, les strophes 1 et 2. Voici quelques annonces. L'Oratoire du Louvre reste en contact avec vous. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez des méditations, des prières, des contenus pour les enfants et chaque semaine le culte en version audio ou vidéo et en texte imprimable. Vous pouvez aussi envoyer un message sur l'adresse mail suivante accueil@oratoiredulouvre.fr et demander à être abonné à la newsletter. Le temple et la maison presbytérale sont toujours fermés au public jusqu'à nouvel ordre. En ce dimanche, je vous invite à faire votre offrande à votre église, comme si vous étiez au temple, en cliquant sur « Faire un don » en haut de la page d'accueil et en bas de toutes les pages du site oratoiredulouvre.fr. Car le confinement, ou même la sortie de confinement, ne doit pas nous priver de la joie de donner et de faire communauté. Pour terminer ce culte, je vous invite à la prière d'intercession. Éternel Dieu de la vie, merci pour ce culte que nous venons de vivre ensemble. Merci pour celles et ceux qui l'ont préparé et qui ont aidé à sa parution sur le site internet. Renouvelle notre espérance, mais aussi notre patience et notre discernement. Lorsque des situations s'enlisent, que des solutions pour des lendemains meilleurs se font attendre. Nous remettons à ta grâce et à ton amour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs.
Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je voudrais encore partager cette bénédiction avec vous. Seigneur, bénis nos mains afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis nos yeux afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'il regarde au-delà des apparences et reste habité par la bienveillance, afin qu'il révèle toute la tendresse que nous ne pouvons plus mettre dans nos gestes. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives aux cris de souffrance et aux appels de la solitude, fermées au bruit, aux peurs, aux médisances, aux théories du complot, aux faux prophètes et aux faux savoirs, mais ouvertes à ta parole qui nous dérange. Seigneur, bénis nos bouches afin que, même masquées, elles confessent ton nom, qu'elles parlent pour consoler et construire, plutôt que de blesser ou détruire. Retiens nos lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Saint-Esprit, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de nos prochains, d'accueillir et de donner l'amour, d'aborder la situation nouvelle avec lucidité et avec confiance. Amen.